Eh bien, on se retrouve pour la guidance et le message de ce jeudi 7 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Mais avant de commencer, eh bien, la petite pensée positive de ce 7 novembre, loin des détails. La qualité de vie dépend de notre capacité à savoir lâcher prise, à ne pas nous focaliser sur les détails. Distance est mère de sérénité. À méditer, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé la carte tolérance. C'est quoi la tolérance? Eh bien, c'est avant tout une attitude. C'est le fait d'admettre que l'autre puisse être différent, que l'autre puisse penser différemment, que l'autre puisse agir différemment de soi. Donc il s'agit d'admettre comme acceptable qu'une personne agaçante, ayant des idées opposées aux siennes, une manière de s'exprimer radicalement différente, puisse exister. Oui, nous sommes tous différents, nous pensons différemment, nous agissons différemment, nous sommes différents. Et c'est ça, la tolérance, accepter que l'autre soit différent de nous. Qu'il puisse ne pas être les mêmes pensées, les mêmes agissements et être que nous sommes en fait. Hein. Tolérance. Ma tolérance ouvre un espace pour l'individualité et la créativité. Et chaque être vivant y possède une place tout à fait personnelle. Il peut s'y exprimer librement. L'énergie de la tolérance traverse notre vie, notre être tout entier, à la manière d'une vague délicate. Et c'est ainsi que on peut ressentir que des portes nouvelles s'ouvrent en soi, que notre cœur s'élargit, que notre respiration s'intensifie. Eh bien, lorsque l'énergie de la tolérance frappe à la porte de ta vie, une immense libération s'opère aussi. Aussitôt de toi, en toi, pardon. C'est ainsi que tu t'affranchis de tes jugements moraux, mais aussi de types de comportements dépassés depuis longtemps. Poursuivant ainsi ta route, eh bien, tu es maintenant arrivé à ce seuil afin de réorienter ton énergie tout entière. Puisque tu as déjà fait tes gammes dans le grand art de la tolérance, eh bien, ce dernier portail s'ouvre à présent à toi, comme par enchantement.
dans cet espace spirituel de la tolérance, eh bien, tu acquiers un aperçu des relations et des structures universelles qui rattachent tout le vivant. Plus tu approfondis la compréhension de ces relations, eh bien, plus grande sera également ta capacité de tolérance. Il est évident qu'on ne demande pas de tolérer l'intolérable, n'est-ce pas? La force de la tolérance est une énergie positive, constructive, qui nous aide ainsi à préparer les nouveaux espaces de la vie sur cette terre. La tolérance, eh bien, est un des éléments constructifs du nouveau paradis sur terre. Et tu es un porteur de lumière destinée à utiliser ce magnifique élément constitutif, énergétique, pour le bien de tous les êtres vivants. Et ton défi aujourd'hui, si tu as... c'est la tolérance aujourd'hui. Sois très attentif au fait que tu restes parfois, eh bien, bloqué. Bloqué dans des énergies, dans les énergies de ton jugement. Pourquoi? De quoi as-tu peur? Cette fleur de vie, eh bien, elle te vient en aide pour te libérer de tes angoisses, de certains types de comportements intolérants. Elle t'aide, eh bien, à ouvrir en grand, mais vraiment en grand, les portes de ton petit cœur. Ce n'est que de cette façon que le nectar nourricier de la tolérance pourra faire son entrée dans ton cœur. Voilà, quand je dis bien souvent dans différentes capsules, voilà, il faut aimer inconditionnellement, il faut être dans l'empathie, la tolérance, c'est important. Tolérer les différentes cultures, les différentes religions, ça fait partie. C'est ça la tolérance, accepter que l'autre est différent. Quel beau message, n'est-ce pas? Enfin, c'est une belle guidance pour vous aujourd'hui, ça met le point sur ce sur quoi vous devez évidemment travailler pour aujourd'hui. Je termine avec le message de ton âme, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages et puis avance et laisse-toi évoluer, grandir et mûrir. On grandit de nos expériences, on mûrit de nos expériences. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour le dernier message de la semaine. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous dis à demain et je vous embrasse.